Salut à tous, et le compte à rebours commence. Nous allons jouer le Hourly Super Blitz. Hourly Super Blitz Arena. Qui est comme dans la vidéo précédente, un tournoi de Blitz en 3 minutes plus 0 seconde. J'aime bien ce temps-là parce que... si jamais on est mal barré, on a encore des chances de gagner autant. Et donc, alors cette fois-ci, c'est plus réservé à une catégorie de joueurs particulières. C'est ouvert à tous les joueurs dont le classement est inférieur à 2000. J'ai envie d'attaquer H7. Est-ce que ces cavaliers sont un peu loin? Quand même, ils sont cavaliers sur F6 pour défendre H7. Ça me paraît un peu moins stable. Par exemple, est-ce que je pourrais pas mettre une dame tout de suite en H5? Il va jouer H6. H6, fou prend, pion prend. Ou pion prend. Donc, Et si je faisais ça tout de suite, sacrifice, dame H5. Bon, le roi s'en va à nouveau, mais ça ne suffit pas, je pense. J'ai envie de lancer mon pion. Ou alors... comme ça. Quand il y a un cavalier sur G6, il paraît que c'est bien de attaquer avec un pion. Alors bien sûr, je suis attaqué. Finalement, c'était pas une bonne idée. Il va pouvoir bloquer un petit peu mon attaque. Non, il veut pas. On va pas sacrifier le... Alors, ah mais attendez, je peux jouer ça. Ah ouais. S'il me prend là... Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, puisque je peux pas reprendre. Je croyais que je pouvais reprendre. Donc j'ai donné une pièce. Et cette structure-là, qui a l'air horrible, finalement, elle défend bien, parce que toutes ces cases-là sont contrôlées maintenant. Donc je suis dans la merde. En plus j'ai plus de temps. Ok, il défend. Ouais, forcément. Ok, je m'en vais. 36 secondes. Le pire, c'est que le temps n'est pas mon plus gros problème dans cette partie. C'est la position. Aouh! Je commence à pouvoir sacrifier, peut-être. Le nombre de pièces qui sont en train de m'attaquer. Aouh! Ça va faire très très mal. Ouch. J'ai réussi à clouer son cavalier, c'est déjà ça. Là, je gagne rien du tout, je gagne même pas un pion. Je me fais écraser. Je vais jouer ça sur moi.
Ouch. Moi, au final, il a sacrifié une pièce contre trois pions. Donc il y avait encore... encore trois pions d'avance. C'est ce petit piège débile. Alors bien sûr H3, boum. Oh, ah bah ça c'est bien aussi. 2018. J'aurais pas cru qu'il se ferait avoir avec une vieille menace de maths en 1. J'ai pas de mérite hein, pour cette partie. Allez, encore les noirs. Ah, on va faire encore une sicilienne. Allez. Ça marche pas si mal. Ça, c'était du temps perdu. Donc, quand il joue avec le fou en fianchetto, le piège n'existe plus. J'essaie d'attaquer ce pion. Bon, ben voilà. J'ai gagné un pion. À moi qui vais me clouer. Non, il n'y a même pas à penser. Alors là, il faut qu'il bloque avec la dame, je pense. Ah oui, il peut aussi bouger le roi, mais bon. Ah oui, j'aurais peut-être dû me replier avant, parce que madame, elle commence à manquer d'air. Pire, on peut proposer un échange de dames. Et s'il refuse, je pourrais encore venir là. Ça, ça sert à rien. Faut qu'il fasse gaffe, parce qu'une menace de maths, si sa dame quitte la diagonale... Ça me rendrait presque gourmand. Genre tac, tac, tac. Mat. Boum. Ah, les joies du blitz. On fait des pièges pas très subtils. Et des fois ça marche. Ah, j'ai gagné deux parties très rapidement là. Normalement, je joue pas trop la sicilienne en partie lente parce que je connais très mal. Mais je connais quand même 2-3 pièges d'ouverture qui marchent bien en blitz. Alors, donc ça, c'est comme une est indienne, mais il a pas joué cavalier F6. Donc c'est presque une pirque, non ? Je sais même pas si c'est un nom ce qu'il a joué là. Si, ça a forcément un nom, il y a toujours un nom. On va mettre notre fou là. Ah, déjà. Et 2109, j'avais pas fait attention à son classement. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Il me joue un truc un peu douteux, mais... C'est-à-dire que suffisamment douteux pour que la plupart des joueurs connaissent pas. Que lui connaît très bien, et comme je... C'est douteux, ça veut pas dire que je sais comment le punir, quoi. Est-ce que... Lequel je prends? J'en sais rien.
plus envie de roquer là, ça m'embête avec déjà tous ces pions. Dame C2, est-ce que j'arriverai à mettre mon fou là? Si je viens là et qu'il pousse, tac tac, je me fais complètement écraser après. Je pense que de toute façon j'ai merdé. Essayons de garder ça fermé. Mon fou a l'air complètement idiot maintenant. Limite mes deux fous ont l'air complètement idiots. Merde. Après j'attaque sur la colonne H parce que ça m'a mené à rien. J'ai envie de jouer ça pour activer mon fou quand même. Je pense qu'il peut quand même jouer ça, j'ai pas assez défendu la case D5. Que si, parce que je pourrais y aller avec le pion d'abord, ok. Donc, c'est une petite victoire. Maintenant ma tour ne bouge plus, mais j'ai plus que 50 secondes. Je sais pas à quoi servait ce coup. Est-ce que j'irai pas bouger mon roi? Si je prends la A, mais il s'en fout. Ah, il veut percer sur les dames. Je pense que mon roi est mieux ici. Et si je pouvais essayer de percer comme ça, moi. Tu t'y attendais pas à ça. Le problème, c'est que j'ai plus le temps, quoi. Des fois j'arrive à jouer pas trop mal contre les 2100 et même plus, mais j'ai besoin de beaucoup plus de temps que eux. Ça c'était très mauvais, ouais. D'accord. Donc là j'ai mal joué. Il va pouvoir défendre son pion tout tranquillement. Non, il va pas le défendre. Il va jouer ça. Faire. De toute façon, si je tente quoi que ce soit, ouais, c'est quasiment du suicide que je suis en train de faire là. De toute façon, j'ai plus le temps. Ouais, je pense que j'étais sûrement mieux à un moment, mais... je pense que j'ai moins bien ouvert, moins bien géré l'ouverture, ça c'est clair. Ah oui, c'est la défense moderne, ben, bien sûr que si, je sais ce que c'est la défense moderne. Et normalement, je joue pas C4 contre la défense moderne. J'ai cru, j'ai joué comme il savait jouer KF6, donc c'est pour ça qu'après je connaissais plus. Normalement je joue plutôt E4 et F3. Bon, ceci dit, ce que j'ai fait c'était bien quand même. Peut-être là. Donc là je donne un pion pour essayer d'attaquer son roi, mais mes pièces étaient pas assez mobilisées. Ça marchait pas. Après là c'était devenu égal. J'aurais probablement pu tenir la nulle. J'ai jamais eu d'avantage en fait. Plus 0,7, ouais, BG. Ok. Toujours essayer de tirer quelque chose des défaites. On va changer, je vais E4. Défense française, ok.
Et en combat contre la défense française, généralement, je joue la variante d'échange. Ce que les joueurs de défense française... ce qui ennuie généralement les joueurs de défense française. Ennui au sens... ça leur pose pas spécialement de problème. Mais c'était pas ça qu'ils avaient envie de faire, quoi. En général. Tiens, je gagnais un pion là, non? Ok, on va consolider notre pion. J'ai toujours cette. Ce petit clouage, faudrait pas que ça devienne embêtant. Parce que par exemple, s'il met son cavalier là, après, je suis obligé de jouer ça. On va essayer de se déclouer quand même. Mon pion est bien défendu. Peut-être qu'on va venir là pour l'inciter à échanger et réparer notre structure de pion. Mais en fait, il va être obligé de l'échanger là d'abord. Ah, il faut que je reprenne avec la dame. Ok, il fait ça. Est-ce que je prends là ou est-ce que je prends là? Je pense qu'il veut me prendre là. Et il faut mieux jouer plus vite, surtout. Ok, toujours un pion d'avance. Ce pion-là est un peu faible potentiellement. Peut-être le renforcer en jouant fou B2. Ou alors fou E3. Fou B2 semble plus logique. Quoique, pour mieux défendre F2. Non, F2 est bien défendu, y a pas de souci. Dame F6 quand même. Il va attaquer une troisième fois. Allez, on va jouer ça. Un peu bête de bloquer ma colonne, mais bon. On va jouer ça. Ça embête plus que ça devrait. Bon, je vais pouvoir jouer cavalier D2 et qu'on n'en parle plus. J'ai un déficit de temps là. Oh là là, j'ai tous ses pions en attaque. Il va absolument jouer F4. Je sais pas si c'était bon ce que je viens de jouer en fait. Ça va devenir vraiment vraiment sauvage. Il faut que je joue comme ça, je pense. Ah, je peux jouer avec la dame aussi. J'ai deux pions d'avance, il peut en reprendre un. Si j'ai le temps de jouer ça, tout devrait aller bien. Pas d'échec. Sinon, on échange les dames. Tout ce que je veux, c'est échanger les cavaliers, échanger les dames, échanger tout. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Bon, et maintenant? En fait, j'ai envie de mettre une tour là, évidemment. Ah merde, 24 secondes, faut arrêter de déconner. Boum. Le cavalier est attaqué, il faut qu'il le défende. Ensuite... on va attaquer encore plus. On va attaquer le pion. 18 secondes.
J'aurais pu faire échec. Je peux encore. Non, ça marche pas. C'est marrant la symétrie de cette position. On peut gagner un pion là. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Mais ouais, les pions ils vont monter là. Ouh. Mat. Yes. Ah, il a fait une menace de mat lui aussi, mais. Trop tard. Il m'a un peu embêté avec sa contre-attaque en fait sur l'aile roi. J'ai été obligé de faire attention à bien défendre, donc j'ai dépensé du temps. Mais après, j'ai récupéré le temps perdu. Une fois que j'ai réussi à tout échanger. Alors ça, c'est... J'allais dire c'est une est indienne cette fois-ci. Eh ben non, puisque D5, c'est une Grünfeld. Où il me laisse tout ce centre, mais il va taper sur ce pion comme un gros malade. Donc là, attaquer 3 fois, défendu 3 fois, c'est bon. Il va attaquer une 4e fois, je vais défendre une 4e fois. Et je fais exprès de mettre mon cavalier là pour qu'il puisse pas me le clouer. Je peux répondre F3. Alors... Il n'a pas encore attaqué une 4e fois du coup. Est-ce que je joue ça quand même? Ouais. Après, si j'ai le temps de mettre ma... Ah bah il échange, bon bah... Ça simplifie la vie. Tour C1. Est-ce que j'ai envie d'avancer là? J'ai un avantage de développement. Prends. Un pion passé après. Et je pense que ça peut être sympa. Et si j'ai un pion passé, est-ce qu'il vaut mieux échanger les dames? Je pense que oui. Il faut tout échanger quand on a un pion passé. Quoique. S'il est isolé, faut quand même pas le perdre. C'est pion qui est attaqué. On va revenir là tranquillement. J'ai essayé d'améliorer notre cavalier. Garder la paire de fous dans cette position bien ouverte. Qu'est-ce qu'il fait, ce cavalier veut venir là? Bâtard. Je vais pas jouer ça. Attaquer F7 très discrètement. F7 très discrètement. Désolé, je pense en anglais. Réfléchis beaucoup. Ok, il défend comme ça. On va attaquer le défenseur. Je réfléchis à comment... Non, être embêtant avec ce cavalier aussi. Je sais pas trop. S'il pouvait venir là. Tac, tac, tac. Oh. Oh là, il n'y a pas des problèmes de maths de couloir là.
Ah non, parce qu'il peut bloquer là, toujours. Non, il peut pas. S'il bloque, je le prends. Prends, prends. S'il bloque, je prends. Le truc, c'est qu'après, il vient avec le fou, mais je viens là. Est-ce que ça marche, ça? Je crois que ça marche. Je suis vraiment pas sûr, mais j'ai plus le temps. Il fallait qu'il joue ça, je crois. Là, je menace ma temps 1. Ouh. Ils sont... Merde. Oh non. Ah non. Il va le voir quand... Il a pas vu. MDR. Alors, je suis quand même échec. On est obligé de venir là, j'ai plus que 7 secondes. Je sais pas quoi faire d'autre là. J'ai plus le temps. Purée. Oh merde, j'ai perdu autant. Merde. J'étais déconcentré. C'était n'importe quoi cette partie à la fin. Bien sûr, il a raté le matin 1. Et après... Après, j'avais une nulle apparemment. Je sais pas pourquoi j'ai pris avec le fou. Ça faisait échec. Je gagnais la dame contre les deux pièces. J'avais plus du tout le temps de toute façon. À faire contre cette ouverture là. Ouh, la dame F3. Allez, rentre chez toi, sinon je gagne une tour. Ah, tu peux aussi faire ça. B6, prend, prend. Je prends l'œil qui revient. On va faire ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la dame? B5, mais ça menace rien du tout, donc
Et juste le chasser. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un pion dans cette histoire? Si je prends là... Il prend... Je reprends, il prend... Non, je gagne pas un pion à cause de l'échange des dames. Si je gagne un pion, si je fais ça... Ah non! Je pensais reprendre avec le... Si, je gagne quand même un pion. Non, il le récupère. J'ai du mal. Ok... Il y a peut-être la tour et après... Quel est son but? Où va le cavalier? Si je fais ça, j'enferme un peu mon fou. Et je force l'échange des dames. Non, je force pas. Je crois que j'ai perdu une pièce. Je m'en vais. J'arrive plus à jouer là. J'ai perdu un temps fou pour donner une pièce. Capturer le cavalier. Oh merde, j'ai plus le temps du tout là. Fous-moi la paix. Je vais prendre ces deux. Non. Cavalier C3. C'est bien cavalier C3. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire là, ce roi? Alors, mon cavalier est défendu. On va essayer de faire mat avec le temps qui reste. Et le matériel qui reste. Ça va être chaud. Ah ouais. C'est une catastrophe. Je vois plus rien du tout. Ah, il prend pas la dame, c'est très bien. Bon, c'est pas grave. J'arrive plus à jouer. C'est terrible. Ah oui, alors lui, je l'ai arnaqué, une force. Un gambirois, j'aime pas ça. On va quand même essayer de jouer les bons coups. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça déjà? Où est-ce qu'il va le cavalier? C'est pas une ligne où il doit sacrifier son cavalier. Mais pour avoir trois pièces qui convergent vers... F7. Et normalement cavalier F6 permet de défendre tout ça. On va rendre une pièce, si je me souviens bien.
D5, ça n'arrivera pas, donc D6. Je pense que j'ai intérêt à échanger des pièces. Surtout que là, je peux jouer ça. Ouais, ça marche, ça. Je pense que j'ai repoussé l'attaque. Plus on échange, et mieux c'est. Ok. Peut-être essayer d'attaquer sur la colonne. Ça fait pas peur parce que là je peux demander un échange de dames. Il peut difficilement me refuser. Ah non merde, ça marche pas ça. Elle est défendue. Ah, j'avais pas bien vu le fou. Si je fais ça qui pousse, c'est emmerdant. Ah. Bah si, je peux faire ça, dame prof, prends. Et après, comment je défends le fou, c'est ça la question. Il faut d'abord que je joue ça. Je pense que c'est bon. Le problème, c'est que j'ai besoin de beaucoup de temps pour comprendre toutes ces histoires. Bon, j'ai une pièce d'avance. Enfin, j'ai trois pions. Enfin, j'ai une tour d'avance. J'ai du mal. Normalement, ça devrait aller. Même avec un petit déficit de temps. Surtout que là, il prend du temps pour jouer. Les pièces sont plutôt bien coordonnées, pas de soucis. Je perds ce pion-là, mais tant pis. Ah, il le veut pas. Ok, et ben tant pis. Continuer avec ce pion. On propose aussi un échange de tours. Ah, les blancs abandonnent. Enfin une victoire. Désolé pour l'attente, j'ai essayé de résoudre le problème en Skype. Mais Skype il bug, j'arrive pas. Ouais. Après deux parties bien bien ratées. J'étais pas en train de croquer pourtant. Comment tu sais? J'ai un peu régressé dans mon classement du coup, à cause de ces bêtises. J'étais même pas en train de manger quoi. Enfin si, mais j'avais fini ma bouchée. Ouais. Bon bref. Tu joues à la rage ? Je crois que normalement j'étais censé mettre mon fou ici, dans cette variante là. On sera que tous les deux en fait. Non, il est avec Andy sur la 2.0. Intéressant ça. Est-ce qu'on sacrifie? Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai jamais joué à Overwatch, mais j'adore cette carte. Je pense pas parce qu'il y a encore beaucoup de pièces qui défendent. Le truc, c'est que comme moi je pars ok. Très bien rocker de ce côté là et profiter qu'il ait affaibli son rock pour essayer d'attaquer. Ouais, mais faut pas ça ne me dérange pas. Pour les payer. Attention, si j'échange là, ouh, je peux déjà faire échec. Bah, ce serait pas un mat en 1 ça. Ok. Eh ouais, quand on joue trop vite. Alors finalement, mon fou était bien sur cette diagonale-là.
Ouais. Attendez. Oups. Est-ce qu'on va mettre comme ça? Tiens, on va mettre ça. Quoi? Alors, Berserk. Pourquoi? Là, on retombe encore dans le Gambi Benko refusé que je connais pas. J'ai envie de jouer ça, c'est fun. C'est peut-être pas le bon coup. Mais ça semble tellement fun. Vous trouvez pas? Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire là. J'arrête de manger après. Mmh. Ah, j'aurais dû reprendre. Quoi? Oh. Il est gros maintenant. Alors, bon, ok, oui, je pense que. Oui, il va essayer de venir là, ouais. Peut-être même là plus tard. Il a bien changé depuis sa si, sauf s'il joue, voilà. Il joue pas. Ouais, il était. Ouais, enfin, c'était pas un. Uh-huh. Un problème, mais je veux dire, il était quand même pas mal. Quoi. Mais c'est un peu planté. Ouais. Non, j'ai pas de bonne méthode là. Bien sûr, un gros avantage de temps, c'est toujours ça de pris. La seule vraie fois où. Enfin, qu'est-ce qu'elle où fait moi, à cette dame connu, c'est plus comme Obélix, quoi. Je taxe ce pion. Ça a l'air de l'embêter. Oui, contre-attaque. Non, pas beaucoup. On va prendre avec la dame. Voilà, comme ça maintenant c'est complètement égal. Sauf que j'ai beaucoup plus de temps. Mon cavalier est pas très implacé parce qu'il peut pas aller sur beaucoup de cases. Ou alors j'avance mon pion. Non, j'ai envie de jouer ça parce que ça menace une fourchette s'il joue trop vite. Comment j'attaque cette tour? Comme ça? Qui? Toi? Non? Ma morale, ça joue mal aussi. Hein. Je suis pas en train de perdre mon pion là. Ah merde, je peux pas. Putain. Je l'ai bloqué avec mon cahier, mais je pouvais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Non, je suis complètement mort. Je cherchais à traduire en fait. Bah, il fait ça avec toi, de toute façon. Non, il faut que je protège mon cavalier à tout prix. Le problème, c'est qu'il va bouffer mes pions. Ouais. Comment je fais? Je peux plus protéger. Plus le temps. Est-ce que je peux lui faire une fourchette au moins quelque chose? Attaquer ce pion là. Merde, c'est moi qui perds autant. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas une bonne moyenne. Merde. Ah, j'ai gagné autant. Il suffisait qu'il mange le pion et il avait au moins une nulle assurée.
Quoique, s'il lui reste des pions, pas sûr que ça compte comme une nulle. Paradoxalement. Bon, ben, belle performance. Certes, il avait berserké, mais tant pis pour lui. Ah bah je remonte là, plus 19 sur le tournoi pour le moment. Encore 11 minutes, ça veut dire deux parties normalement. Sauf s'il y en a qui se finissent très vite. Oula, j'ai plein de parties contre lui, c'est qui celui-là? Bon, ça, je vais pas m'exciter sur ce sacrifice qui a l'air totalement débile. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Non, je te continue. Cavalier C3. Ah, E4, j'aime bien E4. Et s'il vient là? Alors, E3 est vraiment super solide. On va pas s'embêter, on va jouer E3 tout simplement. Je pense que je me suis fait avoir dans une connerie d'ouverture que je connais mal. Change tout. Ouais. Quoique. C'est moi qui parle comme ça. On va viser H7. Si je viens là, je perds le cavalier. On va plutôt venir là, attaquer la dame. Super vite, ça me stresse. Il va bientôt me rattraper au temps déjà. Tant que j'ai perdu à déplacer ce fou. Il va peut-être faire F5. Ça commence à devenir risqué pour son roi s'il joue F5 parce que quand même. Enfin, non. Ok, cavalier. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup-là? Je crois qu'ils viennent là. Ah oui, mais j'attaque la dame. Je fais une connerie. Cavalier prend, je peux pas reprendre. Fais chier. Diablo. Ah, mais... J'attaque même pas la tour là. Non, mais bon, ouais. Je sais pas du tout quoi faire. Pour moi, même avec deux fois en même temps, il est beaucoup plus fort. Je reviens du civil. Alors, défense Benoni. Donc là, l'idée c'est d'éviter tout échange de pièces.
Bah, si. B5. Bah, non, mais c'est ici, d'accord. D'habitude, c'est plus A5 qu'il faut. Non, c'est. Non, c'est B. C'est A6 suite B5. B5 tout de suite, normalement, c'est faux. Oh là là, mais je peux tourner. Ah merde, je donne un pion, moi. C'est pas si clair, peut-être que j'ai récupéré celui-là. Il faut qu'il joue F5. Ah, ou fou F5. Sauf que le fou défend. Si, c'est bon. Ah, si je joue ça, il joue fou. Et cavalier F8, pardon. Cavalier F8. On va essayer de clouer ce cavalier. Peut-être qu'il peut échanger comme ça. Pas de mat du couloir. Voilà. Si on essayait comme ça. Putain, il joue vite lui aussi, c'est pas possible. Est pas défendu. C'est idiot d'avoir perdu celui-là. C'est ce qui m'arrive tout le temps dans ce genre de position. Voilà, ça sert à rien ce que je fais, je perds encore un pion. Et je sais pas quoi faire d'autre et je suis en train de perdre tout mon temps. Pourquoi il a pas pris mon fou? Ah non, je perdais pas de pion. Oui, j'arrive plus à réfléchir. Donc on va peut-être bien revenir, essayer de mettre un cavalier sur cette case. Ah, je recommence. Toujours la même case en plus. C'est dingue ça. D'avoir une... Lui, de maintenant, ah, lui est plus défendu, il est pas défendu. Il y avait un gros T qui était passé au-dessus de. Et si je sacrifie là, tac, tac, ouais, tac, char. Ça ne marche pas. Une énorme place de T, un truc flottant, ou alors c'est lui, je sais pas. Ça fait bien un chemin aussi. Bien sûr. Et ouais, gagné de partie. Ouais. Attention. Sniff. Trop fort pour moi. Et au moment, je sais plus quoi jouer, donc je fais n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Au moins que je joue des coups qui perdent pas des pièces, quoi. Tiens, on va faire un Scandinave cette fois-ci. Allez, allez. Oh, je suis en génie. Grand Rock. D3. Est-ce que j'aurais pas H5? Logiquement, j'échangerai tout de suite, mais... Ah, ou alors plutôt défendre comme ça. Non, ça... Ah si, je peux jouer ça.
va essayer. Maintenant, on va avoir un potentiel d'attaque sur la colonne G assez terrible. Ah, le cavalier va venir là. Ça va permettre de sortir notre fou. La dame défend encore cette case. Mais si je joue ça et ça, je pense qu'il a un gros problème. Parce que j'attaque. Ah non, il peut revenir. Mais si je joue ça. Il faut qu'il vienne là obligatoirement. Pour bloquer le mat. Ah, il peut aussi jouer ça. Bon, alors est-ce que je gagne un pion? Non, mais pas la fleur, comme ça. Je pense que je gagne un pion. Il n'y a plus de fourchette après s'il vient là. On va juste prendre le pion parce que je crois que si je me replie, j'ai plus spécialement d'attaque. Non, mais il était temps que je me soigne. J'ai rien de super immédiat à mon avis. Genre, je viens là. En plus, il peut toujours bouger le cavalier. Oh non. Il va y avoir une belle case aussi, peut-être. À moins que je mette la tour, mais j'aime bien cette colonne. Non. Je pense que je vais pouvoir continuer à l'embêter. Ah non, mes deux pions sont attaqués. Au pire, je peux lui laisser celui-là, peut-être. Ou je viens là. Pourquoi ne pas les défendre? J'ai le temps, là. Il me poursuit. D'accord. Regarde, je me poursuis. On va essayer comme ça. C'est une bête. Tu vois? Je vais essayer de récupérer celui-ci. Je m'enfuyais pas. Je vais faire échec, mais si je viens, j'attaque encore. Bon, je suis obligé de prendre le pion. Oh, j'avais pas une histoire de mat. Punaise, j'avais un mat. Incroyable. Tu m'emmerdes. C'est une fourchette, ça. Seconde. Ça sert à rien ce que je fais là. Mais oh, il me relève son front lane. Je perds autant. Ouais, donc j'en suis rendu compte trop tard, mais là, si j'ai joué ça, ça c'était mat. Par contre, il pouvait encore venir là, finalement. Bah, c'était mat quand même. Je vais très vite, parce que je me suis pas du tout douté. C'est dommage. C'est un beau mat, ça. C'est le mat d'Anastasia, il s'appelle. J'ai jamais eu l'occasion de le jouer dans une partie, donc ça m'a surpris de le voir. Donc c'est fini.
37e sur 276. C'est quand même pas mal. Gagné 15 points. Performance 1855, 50% de gain. Ok. Bah, c'était un beau petit tournoi. À bientôt. Salut.